Je m'appelle Mohamed Dayoun. Je suis un initiateur de ce festival en ma qualité d'artisan. Bon, là, le but de cette manifestation, c'est de mettre en valeur l'artisanat sur le plan national et sur le plan international. Nous sommes, artisans, nous sommes un peu, si je peux dire, découragés parce que nos produits ne sont pas vulgarisés, suffisamment vulgarisés. Donc, le but, essentiellement, c'est qu'on trouve les occasions, que ce qu'on prenne des contacts avec les artisans de l'étranger, toutes les sociétés, les établissements qui exercent ces métiers à l'étranger, et qu'on ait une renommée, une connaissance plus vaste sur le plan aussi bien national que sur le plan national, du plan international. Bon, c'est vrai que c'est une première édition. Et c'est une occasion très importante pour la mise en valeur de ce secteur, bien que les autorités nationales lui donnent une importance remarquable. Bon, nous avons invité les gens, des artisans du Maroc, et nous avons même invité tout le monde. Mais jusqu'à présent, ce sont des Marocains qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est bien un soutien qui peut nous permettre d'atteindre le but que nous visions par ce festival. Et nous espérons que ça réussisse et que tout le monde en prenne connaissance. Je vous remercie. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Mariam Bo. Nous venons ici pour exposer nos colliers avec les boucles oreilles, avec des bagues. C'est notre futur, c'est nos forgerons qui ont fait ça à leurs mains, avec leur culture qui vient pour exposer ici à Vitrine, à Nouakchott. J'ai une maître de la Mamlaka Maghribia en Chariq al-Mauritanie, en Sénat et Taglidia. Nous avons des moujouharat, من الفضة ونعدلوا معينة شاي من الريش والنحاس وجبنا ياسم البضاعة هنا تياها شغلتنا ذي هي كاملة حق بعد شغلتنا ذي هي حق الحمد لله ونشكرهم على استضافتهم لنا ومع عريض زين تبارك الله ونتبادلوا فيه الخبرات بين احنا مع اخوتنا الموريتانيين تبادلوا نوع من الصناعة التقليدية وهي مبادرة زينة ونشكرهم إن شاء الله كل عام إن شاء الله ربنا نعود معهم إن شاء الله ربنا فيها.